C'est une journée spéciale pour Sophie Davant. Pour cause, en ce vendredi 19 mai, l'animatrice emblématique d'Affaires Conclues fête ses 60 ans. Un événement qu'elle risque de célébrer avec ses proches. Pour l'occasion, la rédaction de Gala FR s'est intéressée aux membres de l'entourage de l'animatrice qui est très discrète sur sa vie privée. A-t-elle des frères et sœurs? Après la parution de son ouvrage Tout ce qui nous lie, en mai 2021, Sophie Davant s'était entretenue avec nos confrères de Pure People. Et à ces derniers, l'animatrice en a profité pour dévoiler qu'elle a un frère. Si est-ce plutôt un commercial. Il dirige une agence de pub de Sud-Ouest, avait-elle révélé au sujet de son frère. Donc il a sous sa responsabilité des vendeurs d'espaces publicitaires. Il habite dans le Sud-Ouest, à Biarritz, et il travaille à Mont-de-Marsan. De rares confidences auxquelles l'animatrice n'a pas partagé quel était le prénom de ce dernier. Supérieur à Sophie Davant, qui sont les hommes de sa vie? Sophie Davant, que deviennent ses enfants, Valentine et Nicolas? Sophie Davant a deux enfants. Nicolas, 1993, et Valentine, 1995, née de sa précédente relation avec le journaliste Pierre Sled. Et de ce que l'on peut trouver sur Internet à leur sujet, tout porte à croire qu'ils suivent les pas de leurs parents. En effet, sur le compte LinkedIn de Valentine Sled, on peut ainsi découvrir qu'elle est journaliste et coordinatrice pour des émissions télévision de divertissement depuis 2019 ainsi que rédactrice culinaire freelance notamment pour le magazine The Good Life, le média en ligne et les Hardy. En parallèle, elle est également rédactrice pour le média Combini depuis 2019. En ce qui concerne le fils aîné de l'animatrice, Nicolas s'est longtemps produit en tant que DJ dans différents clubs. Alors connu sous le pseudonyme de Sled, il avait même lancé son propre label de création Baume aux plages. Depuis, le jeune trentenaire travaille au sein de la start-up Yuri & Neil, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale. Crédit photo, Sandrine Tézia Panoramique.